Salut tout le monde! Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va se maquiller pour rien. Enfin, pour rien, pour presque rien. Presque, je vais pas dire 0 euros, c'est pas possible parce que si on veut se maquiller pour rien, qu'est-ce qu'on fait? On se maquille pas du tout, évidemment. Et là, on pourra dire qu'on a dépensé 0 euros. Donc, évidemment, j'ai dépensé quelques euros, mais pour ce maquillage, je voulais vous donner quelques astuces en fait pour. Bah pour pouvoir avoir du make-up à pas trop cher ou bien voilà profiter des offres, des petits cadeaux, des soldes. Quand on aime le maquillage comme moi, bah on a envie d'acheter plein de trucs, il y a toujours plein de nouveautés, on a toujours envie de dépenser. Et bah finalement, on se rend compte que on peut se faire plaisir parfois bah sans dépenser beaucoup, beaucoup. Et puis, on a des produits sympas. Donc, je vais vous donner quelques petits tuyaux, quelques petites astuces, voilà, qui, moi, me permettent, par exemple, aujourd'hui, de faire un maquillage pour très, très peu cher. Donc, on va démarrer ensemble. On va se maquiller les yeux d'abord. On va se maquiller les yeux avec du maquillage de chez Action. Alors Action, vous allez trouver chez Action des cosmétiques, vous allez trouver des masques, des sheet masks, du maquillage qui vient de la marque Max & More et ça pour très très peu cher. Alors c'est pas de la contrefaçon, hein. Je regardais il y avait un donc là vous voyez, je vais prendre un petit crayon en stick, ah, j'en ai trois, voilà, ça m'a coûté je crois moins de 2 euros, je crois. Ils sont très sympas. Donc, ce sont des ombres à paupières. Et on va démarrer avec ça. Ça va me faire ma base. Donc, oui, hier, j'ai regardé un reportage sur 66 minutes qui parlait justement du maquillage bon marché, du maquillage à pas cher. Ils ne se sont pas trop attardés hein, sur ce maquillage de chez Action. Ils en ont parlé. Comme quoi, il y avait donc des copies. Alors, effectivement, hein, chez Action, vous allez trouver des imitations, des copies. Des copies du maquillage ou d'Huda Beauty, par exemple, etc. Mais c'est pas de la contrefaçon, c'est des copies. Voilà, pas le copie, mais ça reste des copies. La contrefaçon, d'accord, c'est quand on vous vend vraiment un maquillage sous la marque Chanel, par exemple, et alors que c'est pas du tout du Chanel. Donc, voilà. Donc, je suis allée voir quand même un petit peu la composition de ce make-up. Donc, ce sont des produits qui sont vegan, hein, cruelty-free. Et j'ai pas trouvé beaucoup d'informations finalement, mais à partir du moment où c'est commercialisé en Europe, il faut savoir qu'il y a quand même vachement de règles. Et voilà, à moins d'avoir, voilà, une allergie est toujours possible. Voilà, j'ai plutôt confiance en ce make-up. Donc il est très très peu cher. Et là, vous pouvez vous faire plaisir. Il y a beaucoup de produits très sympas, notamment on va se maquiller avec une palette, les ombres à paupières, le fond de teint. Il y a vraiment des trucs très très chouettes. Donc voilà. Alors j'ai mis une petite base comme ça. Vous voyez, ça brille un peu, c'est assez joli. Et ce que je vais faire, je vais prendre ma petite palette de chez Max & More, que je l'avais achetée à 4,50 €. Ça, c'est la Skyline, elle est très jolie. Vous voyez, je vous montre. Et j'aime bien me maquiller avec. Vous voyez, je m'en sers quand même pas mal. Et puis donc, on va faire un petit maquillage assez simple pour aujourd'hui, hein. Je ne vais pas trop me prendre la tête. Voilà, je vais prendre ce petit. Je vais me faire un petit creux de paupière. Hop, sur ma petite base, voilà. Ça va me permettre. Et donc là, chez Action, vous allez pouvoir vous trouver bah, du maquillage, des soins. Alors évidemment, hein, il n'y a pas. Voilà, faut essayer, faut tenter. Hein. Je sais que ma fille a essayé un sérum. Elle en était très très contente. C'était un sérum qui était très peu cher. Elle le trouvait super. Donc bah, écoutez, voilà, quelquefois, ça vaut la peine d'essayer. Et puis bah, si ça ne nous convient pas, bah écoutez, on arrête, hein. C'est toujours pareil. Hein. Moi j'essaye des choses, des fois, ça ne va pas du tout. Bon bah on laisse tomber. Pendant 3 jours, on met de la pommade, on essaie d'apaiser tout ça. Et puis hop, j'ai pris cette couleur-là, là, que je vais estomper juste au-dessus, comme ça. Un petit coin externe avec qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celle-ci que j'aime bien, celle-là. Voilà. Hop, et avec mon doigt, je vais prendre ce
Oui, c'est vraiment très brillant, très joli. Je me maquille très souvent avec cette couleur, c'est super super mignon. Et voilà, une palette à 4,50 €. Elle nous donne de l'impact, c'est cool. Et on va prendre le petit jumbo couleur bleu pétrole comme ça. Et je vais faire comme un liner au coin des cils. Hop, je prends un pinceau plat comme ça. Et je vais estomper. Voilà. Alors, ok. On terminera tout à l'heure. Je suis un petit peu enrhumée. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, une autre manière de profiter de maquillage, eh bien, écoutez, moi, on me donne des trucs. Donc, ça arrive qu'on vous donne des choses, eh bien, faut en profiter, faut accepter avec plaisir, remercier, et puis après, bon, on en profite un peu. La plupart du temps, c'est des jolis produits, et puis, ben voilà, ça nous permet d'essayer de nouvelles choses. Donc, moi, j'ai ma collègue qui m'a gentiment donné, elle sait que j'adore le maquillage, donc elle m'a donné un petit quelque chose à essayer. C'est de la marque Pacifica, c'est une marque australienne, donc c'est une marque très clean. Je suis allée voir un peu sur le site, c'est plutôt bon marché, voilà, c'est pas trop cher, il y a de jolis produits, et donc ça c'est un primer illuminateur un petit peu, voilà, qui permet, c'est comme une bébé crème en fait. Donc aujourd'hui c'est parfait, je veux pas trop me maquiller, donc je vais mettre ça, et donc vous voyez, voilà, ma collègue me l'a donné, elle savait que ça allait me faire plaisir, et moi bah, ça me permet d'essayer des nouvelles choses, j'ai l'impression d'essayer, bah voilà, de la nouveauté, et donc ça c'est super, donc ça faut pas hésiter. Voilà, quand vous avez l'occasion, et eh ben hop, je vais vous montrer un peu sur une moitié de visage ce que ça donne. J'ai essayé ça hier, c'est vraiment sympa comme truc. C'est très hydratant. Ça donne de la lumière, c'est vraiment super joli. Ma peau l'aime bien. La couleur, elle est géniale. En fait, ma copine là, je crois que c'était trop foncé, un peu trop foncé pour elle, donc forcément. Donc là, bah, faut en profiter. Dans ces cas-là, quand les copines elles achètent des trucs bah, qui ne leur conviennent pas, bah, soit bah, voilà, vous en profitez. Vous voyez, la différence, c'est sympa, hein? Vraiment très joli. Vous pouvez leur racheter, ou bien, bah, voilà, comme là, ma collègue adorable, elle m'a dit non, non, je te le donne. Bon, bah écoutez, elle savait que ça allait me faire plaisir. Effectivement, ça me fait super plaisir. C'est super sympa en plus. Voilà, c'est vraiment un produit qui est vraiment chouette. J'hésite pas à en remettre pas mal. Et vous voyez ça. Franchement, ça unifie vachement bien le teint. Ça, c'est un peu glowy. Et moi, j'aime bien quand. Vous savez que j'aime bien quand ça brille un peu. Et vraiment, vous voyez, c'est super sympa. Hein. Vraiment, j'adore l'effet que ça fait. Vous voyez, ça est un peu glowy. Ça unifie super bien. Vraiment, je trouve que c'est un produit qui est très très sympa. Hein. Donc voilà, c'est de la marque Pacifica. On n'entend pas du tout parler d'ici parce qu'en fait. Ma collègue, elle a acheté ça quand elle était aux États-Unis. Ici, on ne trouve pas du tout cette marque. Hein. J'ai regardé, même au niveau du site, hein, c'est un site américain. Mais bon, bah écoutez, ça permet d'essayer d'autres marques et ça, c'est super chouette. Donc voilà, super beau, j'adore. Franchement, c'est super sympa. Ensuite, donc, on profite, voilà, deuxième astuce, et ben entre copines, on se donne les choses, on se repasse les trucs, voilà, une fois qu'on a essayé bien le machin, ben, on peut le donner à la voisine, qui va l'essayer, ça me convient pas, voilà, il y a toujours moyen d'essayer des nouvelles choses. J'ai oublié de mettre une base, je voulais mettre une base, et j'ai pas mis de base, c'est pas grave. J'avais prévu de mettre la Superfood, c'est la base Elemis, et c'était aussi ça, une autre astuce. En fait, ça, ce sont des produits que j'ai dans mes box. Vous pouvez vous inscrire à des box. Et dans les box beauté, souvent, c'est là la mienne, elle coûte 18 € par mois. Et à l'intérieur, j'ai 5 produits par mois. Et donc, ça vaut vraiment le coup parce que ce sont des boîtes qui valent beaucoup plus cher.
Et donc, ça vous permet bah, d'essayer plein de marques différentes et des marques assez luxueuses. Et Elemis, notamment, est une marque assez luxueuse, très chère. Moi, j'achète pas de produits full size parce que c'est trop cher, hélas. Mais les produits sont excellents. Et donc, voilà, par exemple, là, j'ai cette base qui fait quand même 20 millilitres. Donc, en fait, j'en ai pour un bon moment. Et bah, ça me permet voilà, d'essayer une autre base à prix cassé, on va dire. Hein, ça, c'est sûr. Donc, on n'hésite pas si on a des petites box. Si on aime ça, voilà, évidemment. Hein. Je vous dis pas de vous inscrire à... C'est quand même un budget, hein. C'est 18 euros par mois, mais de toute façon, moi, les 18 euros par mois, je les dépense en maquillage, ça vous pouvez être certain. Donc voilà, je vous donne cette autre petite astuce. Ensuite, on va mettre de l'anti-cerne. Alors, pour l'anti-cerne, je prends un produit de chez Kiko que j'ai payé 2 euros. On profite de quoi? Évidemment, on profite des soldes. Vous avez toute l'année, vous avez donc deux périodes de soldes et toute l'année, vous avez des méga promos sur les différents sites de maquillage qui peuvent aller de 30, 40, 50% parfois. Et notamment chez Kiko, vous avez toujours des promos. Toute l'année, vous avez des promos et il y a des super produits qui, de 10 euros, je crois que ça c'était 10 euros au départ, eh bien, elles passent à 4 euros, 5 euros, 2 euros. Donc là, voilà, c'est un produit que j'ai payé pas cher du tout et qui est vraiment excellent pour le coup. C'est un anti-cerne. Il est super fin. Là, je vous le conseille vraiment celui-là. Hein. Je crois qu'on le trouve encore. Il est super fin et il tient super bien. Il corrige. Il est pas, c'est pas une grosse correction, mais il corrige bien. Moi, je l'aime beaucoup. Et pour très peu cher, j'ai des produits Kiko. Je dois avouer que j'achète rarement les produits Kiko plein pot. Au bout de 15 jours, les nouvelles collections, au bout de 15 jours déjà, elles sont en promo. Donc, je vais vous dire, j'achète tout, 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 tout en promo. Donc, voilà. Magnifique. Superbe. Ensuite, ce que je vais faire, je vais terminer mes yeux. Je pense que c'est bon. Je vais juste mettre un petit coin interne assez brillant, que ce soit joli. Voilà, je vais mettre quelle couleur? J'ai été comme ça. Tata, je vais mettre la shine comme ça, celle-ci là, la shine. Elle est sympa. Voilà. Elle est très sympa celle-ci. Hop. Nickel. Ensuite. Alors ensuite, je vais me poudrer un petit peu le dessous des yeux. Je ne me poudre pas tout le temps le dessous des yeux, j'avoue. C'est pas, voilà, c'est pas... Mais je le fais de temps en temps. Et ça, je vous montre quoi? Je vous montre un petit échantillon. Évidemment, on n'hésite pas à garder les échantillons. On peut trouver des vraies petites merveilles. Et par exemple, cette poudre-là, vous voyez, c'est un petit échantillon de rien du tout. Ça me fait hyper longtemps parce que moi, je me poudre que le dessous des yeux. Et donc, en fait, vos petits échantillons, gardez-les parce que je peux vous dire que... Ça dure super longtemps. Donc voilà, moi je mets que ça en poudre. Hein. Et hop, je vais juste me poudrer le dessous des yeux. En fait, c'est pour que l'anti-cerne il ne crisse pas, il n'aille pas dans mes petites rillules. Et hop, je mets juste un petit peu de poudre. Et donc ce petit échantillon-là, bah, il va me faire super longtemps. Donc ça, c'est génial. Donc n'hésitez pas à garder les échantillons. Les échantillons de rouge à lèvres, les échantillons de blush, les échantillons. De bronzer, hein, vous en avez quelquefois, et ben ça vous fait super longtemps, faut les garder, c'est vraiment trop bien. Donc voilà, je vais mettre du mascara, donc je vais me recourber mes cils rapidement. Et pour le mascara, et bien figurez-vous que je suis allée chez Yves Rocher acheter de l'huile démaquillante hier et j'avais ma petite carte cadeau. Yves Rocher qui m'offrait normalement un sérum. Donc j'étais très contente. Seulement dans le magasin où je suis allée, il n'y avait pas de sérum. Donc qu'est-ce qu'elles ont fait les filles? Elles m'ont offert quoi? Un mascara. Voilà, mascara donc à 0 euros puisque c'était avec ma petite carte cadeau. Je me suis acheté mon huile démaquillante et elles m'ont offert mon petit mascara. Et donc ce mascara full size ne m'a rien coûté. C'est donc le Intense Métamorphose de chez Yves Rocher qui s'avère être un mascara tout à fait chouette. À fait correct avec une brosse comme ça, voyez, une brosse assez fournie. C'est un mascara plutôt volume, je dirais, mais regardez, il fonctionne super bien. Il est génial ce mascara pour 0 euros. Donc, pareil, on n'hésite pas à garder ces petites cartes de promo Yves Rocher et puis bah voilà, à profiter des cadeaux offerts. Hein.
Si c'est pas un mascara, ça peut être un petit format voyage et c'est toujours utile pour emmener. Voilà, moi j'ai maintenant, j'essaie de tout garder pour pouvoir tester. Voilà, il est vraiment, ce mascara est vraiment très très chouette. Hein. Vraiment, je l'aime beaucoup. Donc voilà, dans la poche, un petit mascara à 0 euros. Impeccable. Ensuite, ben voilà, les yeux c'est terminé. Oui, c'est joli. Hein, pour vraiment là, ça m'a rien coûté ça. Hein, rien du tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Je vais mettre un petit peu de bronzer. Et alors, pour le bronzer, je vais prendre un produit. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, chez Action, vous trouvez des choses à vraiment pas cher. Il y a aussi chez Shiglam, sur le site de Shein. Là, vous allez trouver du maquillage de super qualité. Alors, c'est du maquillage chinois, attention, hein, évidemment. Voilà, selon vos convictions. Voilà, mais moi, j'ai trouvé des petites merveilles, notamment le bronzer qui est le plus chouette bronzer de ma collection. Vraiment, je l'adore, ce bronzer. Il est génial, c'est un bronzer liquide qui coûte 4,99 €. Voilà, je mets deux petits points comme ça. Et voilà. Ça y est, c'est étalé, c'est fait. C'est sculpté. Impeccable. Voilà. Il est génial ce produit. Pour trois fois rien. C'est vraiment. J'adore ce produit. C'est le meilleur bronzer de toute ma collection. Voilà. J'en ai pas mal, hein, mais là, il est imbattable celui-là. Imbattable, j'adore. Voilà, et ensuite, je vais mettre un blush. Alors, pour le blush, c'est un blush très cher, mais que j'ai payé que 4 euros. Voilà. Pourquoi? Eh bien, parce que si vous voulez acheter du maquillage, etc., et que bah, vous n'avez pas trop les moyens, eh bien. Si les gens vous aiment, ils vous offrent des cadeaux pour votre anniversaire par exemple ou pour Noël, et ben qu'est-ce que vous pouvez demander? Vous pouvez demander des bons d'achat. Et donc j'avais un petit bon d'achat Sephora et un bon d'achat 30 euros qui m'a fait extrêmement plaisir évidemment. Et donc j'ai pu m'acheter un blush que je n'aurais jamais acheté autrement parce qu'il est beaucoup trop cher. 34 euros pour un blush, c'est beaucoup trop cher. Mais voilà, j'avais mon petit bon cadeau de 30 euros. Ce blush-là me donnait envie. Ça fait vraiment le buzz, ce blush. Tout le monde le trouve génial. Et effectivement, il est super. Vous voyez, il n'a même pas besoin d'highlighter. C'est un blush highlighter. Et du coup, bah, j'en ai profité avec mon bon cadeau de 30 euros. Je me suis acheté ce blush. Ça m'a coûté donc 4 euros. Donc, et j'ai un très beau blush RMS. Voilà, que je vais mettre. Qui fait un petit peu bronzer aussi. Hein. Il a une très jolie couleur, voyez. Très très chouette. Je l'adore ce blush. Il est très beau parce que je trouve qu'il est quand même assez discret. Voyez, il se voit quand même, mais il est très fin. Et on peut en mettre. Alors moi, je le mets avec un pinceau très très fluffy, voyez. Comme ça, j'étale bien la matière et je la chauffe bien. Mais vraiment, je trouve ce blush vraiment super joli. Ça vous fait une super mine. Et puis, ça brille un petit peu. Moi, j'aime beaucoup quand ça brille un peu. Donc voilà. Ça, c'est le genre de choses bah, que je ne me serais pas offerte hein, sinon. Et puis, bah, grâce à mon anniversaire, hein, à mon petit bon cadeau, ben, j'ai pu m'offrir ça. Donc ça, c'est une autre astuce. N'hésitez pas, voilà, quand on vous demande ce que vous voulez à Noël ou à votre anniversaire, eh ben, un petit bon cadeau sur un site qui vous fait plaisir. Voilà, c'est pas forcément Sephora ou quoi, mais par exemple, un site un peu plus cher. Moi, j'avais demandé un bon cadeau chez Paula's Choice. Paula's Choice fait des produits cosmétiques, des soins. C'est assez cher, c'est pas donné. Eh ben, si vous avez un petit bon cadeau, même de, voilà, 10 euros ou 20 euros, eh ben, vous allez vous lancer, vous allez pouvoir vous acheter votre petit sérum ou votre petite crème qui coûte un peu cher et puis voilà, ça fait super plaisir et puis vous vous en servez. Bon bah voilà, moi ce blush là il m'a coûté 4 euros, il va me faire toute ma vie, donc voilà, c'est vraiment super chouette, voyez, très très joli. Donc voilà, bah écoutez, super, on avance, on avance. Et puis on va se mettre du rouge à lèvres. Hein. Alors pour le rouge à lèvres, toujours pareil, je suis allée chez Kiko hein, une fois, c'était l'année dernière. Donc ce sont des vieilles collections, mais le crayon à lèvres m'a coûté 2 euros, je crois. Et puis le rouge à lèvres, celui-ci m'a dû me coûter, écoutez, il est à 10 euros normalement, il a dû me coûter, je sais pas, 4 euros, 5 euros. Voilà, il est super joli. Donc je vais me faire un petit contour.
En plus, c'est une de mes couleurs préférées. Celle-ci, j'en ai acheté un deuxième, un backup, parce que j'adore la couleur que ça fait. Je trouve ça trop beau. Et puis, mon petit rouge à lèvres. Voilà, impeccable. Et par-dessus, je vais mettre un petit gloss. Et pour mon petit gloss, j'ai pris un gloss de marque de chez Marc Jacobs. Mais celui-là, je l'ai acheté pareil. J'ai acheté genre 3 euros. Je suis allée où? Je suis allée chez Nose. Nose, donc vous avez. Donc c'est fait partie de ces magasins où vous avez des arrivages de plusieurs marques différentes. Toutes les semaines, c'est différent. Bon, bah, selon les magasins, il y a plus ou moins de matos. Vous avez dans ces magasins-là de tout, c'est-à-dire des produits d'entretien, des produits, des fournitures scolaires, des fringues, des. Voilà, il y a vraiment de tout, de tout, de tout. Et si vous vous renseignez bien, eh bien, il y a donc quelques semaines de ça, quelques mois de ça, il y a eu un arrivage de maquillage de marque. Alors là, sur les réseaux make-up, hein, forcément, ça avait fait le tour. Va y avoir du Marc Jacobs, vite, vite, vite. Donc forcément, j'étais allée chez Nose et effectivement, les produits à un prix absolument imbattable. Et donc, j'avais pris notamment ce petit gloss qui est super, super joli. Et donc j'ai payé bah, 3 fois rien. Donc c'est pareil, on n'hésite pas à traîner nos guêtres dans les magasins discount, dans les magasins comme ça, parce qu'en fait ce sont des produits qui ne sont pas du tout périmés, ou voilà, c'est juste que c'est des anciennes collections qui ne se vendent plus. Alors là pour le coup, Marc Jacobs c'est une marque qui arrête le maquillage, donc du coup, bah voilà, c'est des liquidations. Hein, et donc du coup, bah, on réussit à avoir des produits à super bon marché. Et voilà quoi, c'est génial. Voilà, hop. Et voilà, impeccable, me voilà maquillée pour 3 fois rien, je dirais, hein. Alors, c'est pas 3 fois rien, évidemment. C'est pas rien, c'est pas 0 euro, évidemment. Mais moi qui aime le maquillage, eh bien, j'ai réussi là à avoir des produits. Super bon marché, très peu cher, grâce à voilà, bah, toutes ces petites choses, mes petits bons d'achat, mes cartons d'invitation Yves Rocher, les dons de mes copines, et puis les magasins discount. Voilà, j'ai réussi à me faire plaisir parce qu'en plus, voilà, moi, l'important, vous le savez, j'adore le maquillage, j'adore me maquiller. Pour moi, c'est un moment voilà, de plaisir. Et donc là, voilà, j'arrive à me faire plaisir avec plein de différents produits sans claquer voilà, tout mon Donc salaire. voilà, Écoutez, je vous montre le résultat. Alors, je suis pas coiffée. Aujourd'hui, je suis en congé. Je ne me coiffe pas. Ouais, je ne me coiffe pas bien. Je me ferai belle demain quand je sortirai. Donc, je vous montre ça à la lumière de ma fenêtre. Bah, écoutez, regardez, le résultat est plutôt sympa. Hein. Et donc, voilà, j'ai profité des bonnes affaires, des dons des copines et j'ai réussi à me faire un maquillage bah, qui me plaît. Donc, voilà, c'est le plus important. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et vous, comment faites-vous? Donnez-moi vos astuces hein, pour acheter du maquillage à pas cher, pour comment vous profitez voilà, de votre make-up et comment vous profitez pour, voilà, pour enrichir votre collection sans y mettre des 1000 et des 100. Donnez-moi toutes vos astuces, ça m'intéresse. Je vous fais des gros gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine et puis eh bien, d'ici là, portez-vous bien. Salut!